Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la maison du Dieu ce soir? Manifeste cette joie en acclamant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour nous permettre d'avoir un peu plus de temps pour la prière. Nous allons prendre nos Bibles rapidement alors que nous sommes debout et lire dans les livres de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le premier jour. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Au nom de Jésus, pour vous asseoir. Comme promis, donc, nous allons faire une prière un peu spéciale. J'ose croire que l'Église Tabernacle aime la prière. Je n'entends pas ce que Lise Tabernacle aime la prière. Lise Tabernacle, on appelle ma ombi. Souvenez-vous que Frère Branham dit nous pouvons beaucoup parler. Duke Branham anasema tunaweza kusema mingi. Et parfois nous pouvons même beaucoup prêcher. Wakati ngine tunaweza tunahubiri sana. Mais parfois il nous arrive de ne pas beaucoup prier. Mara nyingi haitufikiake kuomba mingi sana. Or la prière c'est la respiration même de l'âme. Sasa, maombi ndio pumzi ya mtima. La prière montre dans quel état est l'homme avec sa relation avec Dieu. Maombi inaonyesha uhusiano ya mtu na Mungu wake. Parce que Frère Branham disait que c'est qu'un exercice très compliqué. Ndugu Branham alikuwa anasema maombi ni mazoezi moya ngufu sana. Pour le commun des mortels de parler à quelque chose que tu ne vois pas. Kwa binadamu kuongea na mtu mwenye hauoni. Alors celui qui n'a pas Amen. Dieu trouvera que ça ne sert à rien de parler. Amen. Parce qu'il n'y a rien. Asiye na Mungu ataona faida gani kusema? Il n'y a que celui qui a Dieu dans son cœur. Ni ila ule tu aliye na Mungu ndani yake. Qui peut comprendre que c'est de cette manière-là qu'il nourrit la divinité dans son âme. Ataweza kuelewa sema ndio gisi hicho analisha Mungu ndani ya roho yake. Celui qui n'a pas Dieu ne peut pas prier. Ule asiye na Mungu hawezi akaomba. Est-ce que je peux entendre encore un petit amen? OK. Frère Branham disait ceci. Ndugu Branham alikuwa anasema hivi. Que pour que Dieu crée le monde. Dieu a kusema Mungu aumbe ulimwengu. La création du monde est venue par l'âge atomique. Kuumba dunia kulitokea kwa kile kizazi cha nguvu kubwa, nguvu ya moto. Pour créer le monde, Dieu a kuumba dunia, Dieu lui-même a utilisé la puissance atomique. Mungu binafsi alitumia ile uwezo ya moto. Il faut croire Branham pour dire un amen. Afadhali waamini Branham ndio useme amen. Permettez-moi de le lire avant d'aller un peu plus loin. Wacha nisome maneno haya kabla. La cruauté du péché, la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. Baya wa dhambi na malipo. Paragraphe 42 dit ceci. Juu ya kuongoa mtu wa dhambi. Il dit et un atome. Anasema kale kamchanga. S'est scindé. Kalipasuka. Souvenez-vous que nous avions dit que pour pouvoir avoir de l'énergie. Il faut fractionner l'uranium. L'uranium perd la masse et elle devient énergie. Et un atome s'est scindé et s'est mis à se diviser. Et il y eut une explosion atomique. La première explosion atomique, la première. Wa kwanza
Frère Branham dit, Dieu a scindé la lumière. Vous vous lisez dans la Bible qu'il sépara la lumière, le jour et les ténèbres. En réalité, Dieu a bombardé l'atome qu'on appelle la lumière. Et il sépara cette lumière. Il dit, et alors ces atomes ont commencé à s'accumuler jusqu'à former des cendres. Au fur et à mesure que l'humidité, quoi que ce fût, commençait à se former et que les atomes se scindaient. Et après, une étoile est apparue ou un morceau d'un projectile s'est détaché et a commencé à naviguer dans les airs. Il a observé pendant quelques millions d'années, peut-être. Oui, il a arrêté. Alléluia. Il n'était pas pressé. Il avait tout le temps, l'éternité du commencement jusqu'à la fin. Le temps ne se comptait pas pour lui. Alors un autre s'est détaché. Donc c'était une réaction en chaîne. Et il a arrêté là comme ceci. Frère Branham, c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Par l'âge atomique. C'est pourquoi je vous dis que nous allons faire une prière atomique. Ça serait une prière de création. Les choses, si Dieu a créé le monde par l'atomique. Voilà pourquoi du temps de Paul, Dieu ne pouvait pas créer. Il a fallu qu'on attende du temps de Branham. Parce que ce que Jésus même lui-même a fait au jour de sa chair, Jésus n'a jamais créé. Il prenait quelque chose qui existe, il le transformait en quelque chose d'autre. Mais comme William Branham est venu, Dieu bombarde l'atome à la appelé Branham. C'est en ce moment-là que les écureuils sont venus à la vue. Et ce soir, nous allons envoyer une prière qui bombarde. Qui va créer les opportunités. Donnez-moi un amen que je prêche. Quelqu'un qui a été déjà à l'école, vous avez déjà entendu parler du Big Bang. Big Bang. La Big Bang. Les scientifiques disent que lors de la création, il y a eu une grande lumière du soleil et il y a eu une explosion. Et de cette explosion s'est détaché des scories. Et de ces scories, Dieu pouvait arrêter. Bon, ça, les scientifiques ne parlent pas de Dieu. Mais le vrai savant Branham parle de Dieu. C'était par la puissance atomique. Alléluia. En séparant les ténèbres avec la lumière, laisse-moi l'expliquer un peu plus profondément. Frère Branham m'a dit, Dieu était Dieu, mais il n'était pas Dieu. Parce que qui dit Dieu, c'est un objet d'adoration. Mais il était Dieu. Tu prends un peu mon petit, mon fils là. Blessing. C'est un père. Mais ce n'est pas un père. Parce qu'il a l'attribut de paternité caché en lui. Quand tu as des enfants, il peut les avoir. Mais comme il n'est pas marié, cet attribut est voilé par l'attribut qu'on appelle célibataire. Mais c'est un père. C'est un oncle. C'est un tout. Mais il faut le temps pour que cela se manifeste. C'est comme ça que Dieu était Dieu, mais il n'était pas Dieu. En lui, il n'y avait que de la lumière. L'atome qui nous a engendré. L'atome qui a créé tout. Et frère Branham, cet atome était la lumière des hommes. Cette lumière était derrière tous les autres attributs. Alléluia. Frère Branham explique, quand vous entendez que au bord, tout autour de la terre, il y avait des ténèbres. Parce que les ténèbres ne peuvent venir que si la lumière frappe un corps.
Asema pembeni kulikuwa giza manake ni wakati giza na comme la lumière était simple et humble. Sasa vile nuru ilikuwa na unyenyekevu. La lumière est allée derrière tous les attributs de Dieu. Nuru ilienda nyuma ya macheo zote. Alors tous les autres attributs faisaient front à la lumière. Cheo zingine zilikuwa napambana na nuru. Et derrière ces attributs il y a eu des ténèbres. Mbele ya zile cheo kulikuwa giza. C'est pourquoi la première lumière ce n'était pas une lumière créée. Dieu dit que la lumière soit. Donc c'est quelque chose qui a toujours été, mais qui était invisible, Dieu le rend maintenant visible. Abraham dit c'était le Fils engendré. C'était le Logos qui est sorti de Dieu. Et tous les attributs de Dieu sont venus élire domicile. Frère Branham parle du kénos. Non pas se vider pour laisser quelque chose à part. Non, tout Dieu, tout ce qu'il était, il s'est déversé dans cette lumière. Frère Branham dit pendant que je prêche, je vois cette lumière sur les parvis de l'éternité. Elle était là comme le Fils engendré du Père. Je vais dire à quelqu'un, pendant que Branham prêchait, il voyait tout dans la vision. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne présumons pas. Quand il prêchait, il a regardé le frère Bozoth. Il dit, le frère Bozoth, quand vous le regardez, il ressemble exactement à Caleb. Le Caleb de la Bible. Quand il a regardé Marilyn Monroe, il dit, elle ressemble exactement à Ève. Et quand il a regardé le film de Moïse, il a vu les Dathan qui jouaient le rôle de Dathan là. Il dit, tu es exactement, même morphologiquement, tu ressembles au Dathan de la Bible. Que Dieu soit béni pour le message. Alléluia. C'est pourquoi dans ce message, il ne peut pas y avoir d'erreur. Parce que c'est Dieu lui-même qui a parlé. Cette lumière, et la science aussi le confirme, que le soleil que nous voyons n'est qu'un amas d'uranium. Or, Branham dit tout est sorti du soleil, c'est-à-dire de la lumière. Branham a dit que tout est sorti du soleil, c'est-à-dire de la quand il y a eu cette explosion, Big Bang, des escories. Des atomes s'échappaient. Frère Branham dit, quand ça s'échappe, Dieu l'arrête quelque part. Il dit, toi tu restes ici, tu ne bouges pas. L'autre s'échappe, il arrête, il dit, toi tu restes. L'autre bouge, il dit, toi tu restes. Il était en train d'écrire sa première Bible. Il était en train de mettre au point le zodiaque. Il met. Par une forte explosion. Laisse-moi un peu lire, frère Branham. Montre-nous les pères et cela nous suit par 74. Et puis la chose souvent, vous savez, je l'entendis dire, que la lumière soit. Et alors un atome a éclaté là. Et le soleil est venu à l'existence. J'observe le soleil brûler pendant des millions d'années. Tout d'un coup, vous savez, une scorie s'est détachée. Il se tenait là et observait cela. Elle s'est envolée pendant quelques millions d'années. Il a arrêté, puis une autre s'est envolée. Il a arrêté quoi? Il était en train de placer le système solaire. Il écrivait sa première Bible. La première Bible fut écrite dans le ciel. L'homme levait les yeux pour savoir que Dieu est était en haut. Considérez le zodiaque, cela commence par une vierge. Et ça se termine par Léo. Le lion, la première venue et la seconde venue de Christ. Tout dans les ciels le déclare. Tout sur la terre le déclare. Tout le déclare. Son peuple le manifeste. Sa puissance se manifeste. Son fils l'a manifesté. Amen.
J'ai dit aussi à quelqu'un, quand Dieu veut te placer dans ta position, personne ne peut prendre ta place. Non, je n'entends pas d'amen. Amen. Quand Dieu a béni, il a béni. Quand Dieu a oint, il a oint. Quand il plaçait les gens dans leur orbite, et tu disais, toi l'Uranus, tu seras ici. Toi Mercure, tu seras là. Mercure, toi la Terre, tu seras là. Boulongo, tous, ils sont restés dans leurs orbites, travaillant selon les lois par lesquelles Dieu les avait établies. Moi, je ne regrette pas d'être né dans cet âge. Dieu a voulu que je naisse en ce dernier temps. Il m'a placé ici en ce dernier temps pour que je puisse rayonner aussi à mon temps. Et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui peut arrêter mon rayonnement. Je dis, personne ne peut arrêter ton rayonnement. Alors rayonne alors. Réjouis-toi, fille de Sion. Pousse des cris de joie. Voici ton roi. Viens à toi. La création est venue par quoi? La puissance atomique. Par le bombardement. Kuumba kulikuwa wakati waligonga. Si Dieu veut créer, qu'est-ce qu'il utilise? Mungu akipenda kuumba atatumia nini? Répondez-moi, prêchez avec moi. Unijibu. Si Dieu veut créer de nouveau, il doit utiliser quoi? Mungu akipenda kuumba atatumia nini? Branham dit, chaque fois que les hommes ont utilisé la puissance atomique, ils ont laissé sur la terre des choses que les autres ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui. La construction de la pyramide a été utilisée par la puissance atomique. Jusqu'à aujourd'hui, les autres n'arrivent pas à savoir les calculs. Comment on a pu soulever de grosses pierres? Ils ont utilisé la puissance atomique. Mais si aujourd'hui Dieu aussi le message de l'heure est une puissance atomique, j'aimerais aussi que Dieu laisse dans mon quartier quelque chose qui restera comme un signe indélébile. Quand je passerai, que l'on dise. Bon, écoute, le monde ne nous dit que, ils nous disent que la pyramide a été construite par Khéops. Mais frère Branham, lui, le vrai historien, nous dit, c'est Enoch qui a construit la pyramide. Enoch, donc Enoch était loin de la puissance atomique. Donnez-moi encore un amen pour que je prêche. Amen. Frère Branham dit ceci, que même le rétablissement de Job devait venir par une explosion atomique. Je suis dans les cendres, ça ne marche pas. Dieu a bombardé les cieux. Et le prophète est entré dans la vision. C'est là qu'il a crié. Maintenant je sais que mon rédempteur est vivant. Alors je dis aussi à quelqu'un à l'île ce soir, sois calme, tout est sous contrôle. Le Dieu du message est vivant. Et je dis qu'il va créer les opportunités que tu n'as jamais vécues. Je dis, ça ne sera pas quelque chose qui vient, mais il va le créer. Je vous dis que le Dieu de la création, c'est le Dieu de William Branham. Est-ce qu'il peut utiliser life? Il peut bombarder life. Et que life parle et que les choses changent. Life anasema maneno yanabadilika. Amen. Juste une petite citation. Wacha nikusomee mkom kidogo tu. Frère Branham dit ceci. Nabii anasema hivi. Expectative paragraphe 9. Kusubiri. Ce que l'homme appelle grand, kenye mtu anaita sema kikubwa, Dieu l'appelle folie. Mungu anaita ni bazimu. Et ce que l'homme appelle folie,
Dieu l'appelle grand. Alors ce que nous devons faire, c'est retourner au programme de Dieu et voir ce que Dieu veut que nous fassions. Après tout, et le seul moyen que je connaisse pour y arriver, c'est la prière. La prière, c'est la clé. C'est la réponse. La prière change les circonstances. La prière est l'arme la plus puissante qui ait été jamais placée entre les mains des êtres humains. Aucune bombe atomique, aucune bombe à hydrogène n'est aussi puissante que la prière. La prière changera la pensée de Dieu. Le savez-vous? Une fois, c'est ce que cela avait fait. Israël à Kadesh Barnea, paragraphe 187. Israël. Comme ça a dû être embarrassant de revenir quelques heures après, le Saint-Esprit l'avait rencontré. Parce que Ézéchias avait tourné son visage contre le mur et pleuré amèrement. Ézéchias et dit, Éternel, je te supplie de prêter attention. J'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur. Et les larmes coulaient sur ses joues. Dieu avait scellé son destin. Mais la prière changea les choses. Oh, je n'entends pas quelqu'un dire amen. Le destin, c'est la croyance qui amène quelqu'un à croire. Et ce que l'homme vit, c'est scellé et il n'y aura pas de changement. Si Dieu veut que je meure demain, personne ne peut le changer. C'est ça le destin. Mais frère Branham dit que la prière peut changer même le destin. Alléluia. Non, donnez-moi un amen. Amen. La prière peut changer un pauvre dont toute la famille a dit qu'il est pauvre. Les musulmans peuvent comprendre ce que je parle. Parce que les musulmans ne croient que dans le destin. Cet homme ira au ciel. C'est son destin. Cet homme ira en enfer. C'est son destin. Mais dans cet âge où nous vivons, alléluia. La prière atomique peut changer. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un le comprend. La prière peut changer le destin. Même quand Dieu dit que cet homme va mourir mercredi, nous pouvons dire Seigneur, nous renvoyons cela. Et cet homme ne mourra jamais. C'est juste. Donnez-moi un amen que je prêche. C'est ma amen, Yubiri. Je n'exagère pas. Même si Dieu amen. Dit que ce frère va mourir vendredi, nous, avec la prière atomique, nous pouvons. Hey, dites amen, frère. C'est ma amen, oui. Nous pouvons changer cela. Et Dieu lui-même au ciel se répand. C'est ça. Nous pouvons changer. Alléluia. Frère Branham dit la prière peut changer même la volonté de Dieu. Alléluia. Non, ça ne peut pas te laisser comme ça, frère. Il suffit qu'on se mette à prier là. Amen. C'est pas celui qui n'aime pas les prières aura des problèmes.
Et il ne vivra que des problèmes. Mais quand tu es constamment sous la prière, les choses changent. Là où les gens ont mis un piège pour que tu meurs, la prière peut changer les choses. C'est pourquoi même si tu ne fais rien à la maison, frère, il faut prier. Frère Branham me dit, le diable sait que quand il y a des problèmes, il nous arrive de ne pas avoir la force de prier. Alors quand tu as le temps, il faut prier. Frère Branham dit, Dieu prend tes prières. Il met ça dans son économie. Et quand les problèmes vont arriver, il secoue l'économie. Il prend tes prières et il commence à te bénir. Alléluia. La prière, la prière change la pensée de Dieu. La prière change le destin. Riziki. Il y a un frère qui était venu me voir il y a longtemps. Il avait vécu une mauvaise vie. Un grand millionnaire, il avait beaucoup d'argent et l'argent avait disparu. Et le frère s'est posé des questions, est-ce que Dieu peut me restaurer? Dieu peut me restaurer. Il est venu me voir. Je lui ai dit, frère, il y a un secret. Moi je crois que si nous mettons à prier, même si Dieu avait dit que tu n'auras plus l'âme, nous sommes capables d'aller dans le programme de Dieu et de changer. Il dit, comment changer? Je dis non. Quand je dis on ira, c'est juste une image. Mais nous pouvons parler là où nous sommes. Et on a commencé à entonner les cantiques. On s'est mis à prier. Une sœur est entrée sous l'onction. Il dit, l'ifoko. Tu me déranges. J'avais dit que cet homme, je ne le bénirai pas. Frère, j'ai attendu qu'elle termine. J'ai dit, Seigneur, parce que je croyais que c'était Dieu qui parle. J'ai dit, Seigneur. Ne fût-ce que parce que ce frère s'est déplacé de Kinshasa jusqu'ici. Non pas à cause de lui, mais à cause de moi. Change ces choses. Et pour vous montrer que c'était Dieu qui parlait, Dieu lui a donné même. Le matin, il était quelque part à seul. Dieu a cité le nom de la place. Le frère est tombé avec sa veste par terre. J'ai dit, bon, maintenant nous allons changer la volonté de Dieu. Seigneur, je te remets mon frère. Toi, tu avais décidé que tu vas les maudire. Mais je viens avec ce que tu m'as donné comme arme. Changer les choses. Mon frère, tu es béni. On avait bloqué ces appareils pendant 3 ans. Quand il revient à Kinshasa, en 3 jours, frère, on lui a remis tous les appareils. Et de zéro, il est devenu encore millionnaire. Frère, la prière change. Quelqu'un qui ne connaît pas le mystère de la prière est malheureux. Moi, je sais ce que la prière peut dans la vie d'un homme. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est un sorcier. Quelqu'un crie alléluia. Mets-toi debout, nous allons maintenant prendre cette dernière citation. Et nous allons prier. La voie laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui. Paragraphe 51, il dit ceci. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants qui croient. Effectivement. Non pas des discours intellectuels. Non pas une grande théologie. Une théologie enseignée. Il veut que vous réclamiez en criant ce dont vous avez besoin. C'est exact. Réclamez-le à grand cri. Si vous êtes trop guindé et empêché, vous ne le recevrez jamais. Si vous êtes prêt à vous dégourdir un peu et à crier,
Dieu vous le donnera. Il aime entendre ses enfants crier. Criez à Dieu pour vos besoins. C'est ce que Dieu veut. C'est cela sa voix pourvue. Réclamez-les à grands cris. C'est comme ça que les bébés crient. C'est comme ça qu'il veut que vous criez. Criez jusqu'à quand? Toute ma vie spirituelle, frère. S'il y a quelque chose que j'ai toujours dit, ne m'arrache pas. La vie de la prière. Je peux avoir de l'argent. Je peux avoir tout. Mais fais-moi descendre. Parce que la prière, frère. Amen. Quoi maombi jamani? C'est quelque chose qui pulvérise. Ni kitu kinasumburisha. Même tes propres pensées négatives. Hata mawazo yako ya mubaya. Amen. Je vais demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu crois que nous là. Nous pouvons changer notre destin. Le résultat de toute ma vie a toujours été mon intimité dans la prière avec Dieu. Même quand les gens sont contre moi, je me réfugie. Et ça n'a jamais manqué. Quand les gens croient que c'est des fétiches, non. C'est à frère. Parlez au patron. Ongea na kiti. Alléluia. Parlez au grand Dieu. Ongea na Mungu mkubwa. Frère Vanam, si on te dit que le président Tshisekedi arrive demain. Na bien sata on a comme ça raisi Tshisekedi. Et qu'il va te recevoir à 10h. Atapokelea saa 3. Toute la nuit tu ne dormiras pas. Usiku mzima utalala. En train d'écrire tes requêtes. Utakuwa naandika bien. Quand je le verrai. Nitakapopatana naye. Je lui dirai ça. Ndamwambia maneno haya. Je lui dirai ça. Et tu peux même aller un peu plus tôt. Unaweza kwenda hata mapema. Pour ne pas rater le rendez-vous. Rendez-vous. Si c'est à 10h, toi tu arrives même à 7h. Tu tournes dans les alentours. Dès que l'heure H arrive, le cœur change même de battement. Je vais parler à celui Alléluia. Qui peut décanter ma situation. Alléluia. Mais c'est un exercice difficile pour quelqu'un qui ne sait pas que Dieu existe. Ah, lakini ni kigumu kwa ule anajua huyo hajui sasa Mungu yuko. C'est ça. Amen, amen, amen. Mais Dieu existe. Jameni, Mungu yuko hai. Il est même le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Yeye analipa wote wanaomtafuta. Quand j'étais petit, Alléluia. Je disais toujours Seigneur. Nilipokuwa mtoto nilikuwa nasema Bwana. Donne-moi l'intimité avec toi comme Branham le faisait. Nipe urafiki na wewe kama jinsi Branham alikuwa anafanya. Billy Paul est allé sur la porte de son père écouter prier. Billy Paul alienda kumlango wa baba yake. Frère Branham dit: "Oh Seigneur." Sasa, oh Bwana. Mon fils est en train de me toquer. Ne pars pas, s'il te plaît. Mungu usiende tafadhali. Je vais sortir causer avec lui. Nitoke nikaongee kwanza naye. Et je reviens, nous allons continuer notre entretien. Nirudie tuendelee risulu yetu. Attends-moi, s'il te plaît. Tafadhali nisubiri. Tu ne peux dire ça que si tu sais que Dieu est là. Utasema ila ni kama unajua sasa Mungu yuko. C'est ça. C'est ça. Le Dieu du message est là. Mungu wa message yuko. Alors je te demanderai de ne pas prendre beaucoup de temps mais crie. Alléluia. Usiko tamboure lalamika omba. Et à la fin moi je veux prier. Mwisho nitaomba. Merci. Je ne suis pas un païen, je Alléluia. Crois en ce que Dieu a fait de moi. Sina mpagano naamini kenye Mungu alinifanya. Je Alléluia. Prierai pour que les choses changent. Taomba ili mambo ifanye nini I change. Et nous allons changer même le destin. Tutabadilisha hata riziki. Oh, celui-là n'arrivera pas, c'est faux. La prière peut changer cela. Hein? Oh non, sa famille a dit que lui là, n'a... frère, c'est faux, c'est faux. La prière. Je vous ai déjà dit ici, non? Maman fait faux, elle ne va plus marcher, elle est paralysée tout le corps. Je dis quoi moi? Je me suis agenouillé à 0h pendant que tout le monde dormait.
Seigneur Alléluia. Dieu, si mon épouse ne se met pas debout là, je laisse de prêcher. J'ai crié. Les enfants sont venus. Papa, qu'est-ce qu'il y a, papa? Ils criaient là, je ne les entendais même pas. J'ai dit, demain je me réveille. J'entends que mon épouse a marché. Est-ce que ça a papa, je ne sais pas jusqu'à quelle heure, vers 4 heures. Parce que quand tu es vraiment en intimité avec Dieu, même le temps ne compte pas. Écoutez l'un des secrets. Celui qui doit prier doit savoir que Dieu. Frère, un homme qui parle seul, c'est un fou. Amen. Mundu ule kona risemea chini mwenda bazimu. Et ce causerie ne dure pas. Bila kona sumbure abikao yake. Alléluia. C'est des petits trucs comme ça. Alléluia. Mais si je sais que David est là. Je sais frère David est où il est quoi. Et que moi je suis ici. Na mimi niko hapa. On prendra tout le temps. Tutachukua wakati yetu yote. Je poserai des questions. Tamuuliza. Il me répondra. Alléluia. Je lui parlerai. Il me parlera. Alléluia. Ataongea na mimi. Amen, 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 amen. Comment tu ne peux pas prier? Mbona usiombe? Quelque chose ne va pas. Manaki ko kitu kuma le secret de la prière. Kificho cha maombi. C'est que ça peut amener quelqu'un. Inaweza kupeleka mtu aller toucher le programme de Dieu, effacer les choses que Dieu voulait faire. Aguse matayarisho ya Mungu, azime kuna vingine vile Mungu alipenda kufanya. Frère, même Dieu lui-même devient faible. Alléluia. Hata Mungu mwenyewe anakuwa dhaifu. Devant un homme qui le tient dans la prière. Mbele ya mtu mwenye anamshika katika maombi. La prière change tout. Maombi yanabadilisha kila kitu. Beaucoup de gens croient même avec tout ce que nous croyons dans le message. Watu wanafikiria na hivi yote tunaamini mujumbe. Même les jeunes sont terminés. Hata mafungo na non, frère, c'est faux. Amna ile ni ile njo bongo. Non 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 non. Amna. Tu savais quand je suis allé au Canada? Wakati nenda Canada. On devait faire 3 jours. Il passe faire 6 tat de campagne d'évangélisation. Ya mandamano ya kutangaza injili. Les frères ont mis de la nourriture donc le matin café, ceci tout. Bifulani. Je n'ai pas mangé. Sikukulaka. Je suis resté dans la chambre. Aujourd'hui, je sais que c'est un combat. Bina sali vite. Deuxième jour pareil. Alors, et qui avait mangé le premier jour? Ils ont été contaminés. Nao, je voyais ce matin, mais c'est monsieur, nous on mange, c'est grave. Troisième jour pareil. Trois jours, tu vois, quand tu montes, tu commences à parler. Amen. Les reins qui n'existaient plus. C'est ça même la partie surnaturelle. Frère Manon parle même d'une prédication réussie. Parce qu'en réalité, vous ne recevez pas les citations. Vous recevez l'intelligence qui est soufflée derrière la citation. C'est cela qui te secoue le corps. Amen. Je sais que tu as des problèmes. Najua una matatizo. Prie. Omba. Moi je vais prier. Minda omba. Et nous allons changer. Tuta badilisha. Le destin de quelqu'un. Riziki ya mtu hapa. Donnez-moi amen parce que c'est la vérité. Donnez-moi amen ni ukweli. Amen. Je dis toujours à mes enfants. Nambiega watoto wangu. Même si je ne suis pas là. Hata kama nisipokuwepo. Quand je serai prêt à partir. Tayari kwenda. J'appellerai tous mes enfants et je leur dirai: jurez-moi par les dieux du prophète que vous ne laisserez pas la prière. Oh oui, c'est vrai. Oui, j'ai laissé. Il était fidèle à son amen, amen. Poste. Alikuwa mtifu kwa kazi yake. Pourvoyeur. Quand j'avais faim, alléluia. Je disais à Cassia, Cassia, j'étais élevé, je t'ai montré Christ. Quand son problème du mariage, j'étais là, papa, papa, j'ai dit non, non, attends. Chunga. Tu ne peux pas profiter les dieux de l'Ifoko. Celui-là, c'est mon Dieu. Uyu ni Mungu wangu. Je veux que ma fille, tu fasses l'expérience. Nataka, mubinti wangu, vas-y t'enfermer. Nenda prie. Omba.
tu reviendras avec la réponse. Si Dieu l'a fait traiter avec moi, il peut aussi traiter avec toi. Même quand les enfants à la maison, ils me disent, papa, toi tu es un vrai serviteur. Ils voient comment je vis avec ce message. Il n'y a rien de tricherie dans ma vie, frère. Quand il faut Alléluia. Prier. Frère, tu sais, même les gens qui ont commis un péché, qui se sentent condamnés, c'est parce que vous ne connaissez pas le Dieu que vous adorez. Il faut commencer par lui dire la chose là que tu as fait. Parce qu'il veut l'entendre. Commence par là. Regarde, s'il m'arrive de ne pas s'approcher de toi, c'est à cause de ça, de ça, de ça. Et que tu termines, tu vas voir que lui-même, il te libère. Et l'onction descend. Tu commences à parler, Nous étions à Brazzaville et je vais finir par là. Campagne d'évangélisation devant le stade. Campagne d'évangélisation belle à Kiwanza. Oh, pasteur Barou, tu vas venir. Oh, il ne vient pas. Il va venir. J'ai dit, frère Branham nous a montré le secret. Pour réussir une campagne d'évangélisation, jeûner, prier, vous allez voir les résultats. Nous avons le même patron. Patron, wetu ni moya. Pourquoi vous tremblez? Hallelujah. Je me suis enfermé, frère. J'ai prié, j'ai pleuré. Voir le Dieu de Branham. Hallelujah. Et dès que je suis monté, frère, un frère m'a salué, dit, il a senti de l'électricité sortir de mes mains. Et quand moi-même j'ai commencé à parler, je sentais que ici, même si on amène un mort, l'humain agit. Écoutez, frère Branham dit, trop de spiritualité éteint la sexualité. Trop de sexualité éteint la spiritualité. Quelqu'un qui prie beaucoup. Il y a un pasteur à Kinshasa. Pasteur David. Pasteur David. Il me disait toujours, pasteur, comment je peux vivre surnaturel dans mes prédications? Je te suis quand tu voyages là. Comment? J'ai dit, petit, il n'y en a pas deux. Vous vous embrouillez quand vous me voyez en costume, cravate et tout. Il faut qu'on chante. Mais vous ne connaissez pas le background, ce que je suis réellement. Je ne suis pas celui-là qui a des cravates et tout. Sinon, il faut ma cravate na vitu vingine. Je connais le secret de ma vie. Mina jua kifichika maisha yangu. Le secret de ma vie, c'est l'intimité avec Christ. Kifichika maisha yangu ni urafiki na Kristo, kuongea naye. Le secret que je chante, c'est vraiment ma vie. Bienye na imbaka ni maisha yangu. Kuna na nkuku pinzolie kitaki na misu. Kuna nde na moni bosolo na yo. Je sors dehors, j'entends, non, tu es convoqué au tribunal. Je n'ai ni rien dit à mon épouse, ni à personne. Je suis entré dans ma chambre. J'ai fermé, j'ai dit, Seigneur, tu avais dit que tu serais mon juge. Demain, on me convoque au tribunal. Je n'ai jamais été au tribunal. J'ai parlé à Dieu, j'ai parlé. Confiant. Je me suis mis debout. Le lendemain, j'arrive. Je chante comme ça au palais de justice. C'est un frère qui me voit. Il dit, pasteur Life, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, frère, on m'a amené ici. Tu ne payes rien. Moi-même, je suis ton avocat. Je vais tourner comme ça. Un deuxième. Ça, c'est le pasteur Life. Pasteur, moi aussi, je suis deuxième. Je voulais avancer un, trois, frère, trois avocats. La prière Maori n'a jamais trahi son homme. La prière change la volonté de Dieu. Et cette femme-là, qu'est-ce que nous allons dire? Frère Branham entre à l'aéroport. Il veut partir. Le ciel, l'orage. Frère, que Dieu te montre le mystère de la prière. C'est quelque chose à ne jamais négliger. Ça peut ajouter ton argent même en banque, frère. Oh, monsieur Branham, il n'y a pas de vol et l'orage et tout. Ok. Bon, je vais sortir, je vais marcher quelque part. Pendant qu'il marchait, il tourne, quelque chose tourne à gauche, tourne à droite, tourne,
tourne. Il voit seulement une femme qui était devant la clôture. Il dit, pasteur, que Dieu te bénisse. Il dit, comment tu sais que je suis un pasteur? Il dit, tu sais, dans la Bible, on parle de la veuve. La tsunamite qui avait son enfant, la veuve. Je suis cette veuve. J'ai prié que Dieu m'envoie son serviteur. Et il m'a dit qu'il va me l'envoyer. Frère Manam me dit, donc cette femme a prié l'orage. La prière d'une femme a bloqué l'aéroport. Et frère Banam est entré à la maison. Il dit, madame, tu peux prier que je t'écoute prier. Il dit, oh Seigneur, tu sais, tu es mon ami. Frère Banam dit, quand je l'entendais prier, elle savait de quoi elle parlait. Elle avait une intimité avec mon Dieu. Tu pouvais le sentir dans sa manière. N'est-ce pas que tu es mon ami? Tu sais, quand tu m'as donné cet enfant, je te l'avais donné, non? Mais l'enfant s'est méconduit. Ou maintenant, là, toi, tu l'as frappé malade. Voilà ton serviteur est là. Seigneur, moi, je suis la veuve. Voici ton Élie est là. Une intimité. Ce n'était pas de Rokotoba Chakarabara, non. Quelqu'un qui sait qui parle. J'ai vu aussi un frère, frère Vuvu Mavinga. À Kinshasa. Lui, quand il priait, frère, tu peux fuir. C'est comme ça qu'il avait son intimité avec Dieu. On amène un enfant malade. C'était l'enfant d'un frère. Le frère était aux États-Unis. Frère, vous vous priez. Frère, vous vous homme. Seigneur, toi, que les diables vous êtes entendus. Tu as envoyé le papa de cet enfant en Amérique. Et voilà, ils viennent. Oh frère, vous vous donnez l'argent. Donne. Oh, frère, ça c'est dans la prière. Frère, vous vous... Je n'en ai pas. Tu sais que mes poches sont trouées. Et tu me l'envoies. Donc, tu savais que je vais prier. Et tu vas guérir l'enfant. Seigneur, guéris. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il termine comme ça, l'enfant est guéri. Voilà, la prière, c'est l'intimité avec Dieu. Est-ce que tu promets d'élever ta voix? Est-ce que tu promets que tu peux changer les choses dans ton cœur? Ce soir, nous allons élever les mains devant Dieu. Je veux que tu puisses prier, frère. La prière change. Tu peux t'agenouiller si tu veux. Et de la croix, garde-moi la fontaine précieuse. Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux lever ta voix? Guérissante. Utilise cette puissance atomique. À la croix, la croix, à la croix, sois ma gloire. Alléluia. Il y a des problèmes dans ta vie. Tu peux les changer ce soir. Il y a des problèmes dans ta famille. Tu peux les changer ce soir. La prière change tout. Cesse de te plaindre. À la croix. À la croix. Oh. Jamais. Oh, oh, hey. Que mon âme levée. Alléluia. Trouve repos là. À la croix, au pied du maître. À genoux, je fais mon choix. Alléluia. Sans disciple.
humble, je veux être tout près de lui par la. Oh, à la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Oh, sont d'ici, la prière va changer quelque chose. Tu élèveras ta voix, tu crieras devant Dieu. Maintenant commence à lui parler dans la prière. Il faut oublier la personne à côté de toi. Crie comme jamais. Parle à Dieu.